Mais je suis malgré tout le plus souvent en bleu. Je suis venue à ne porter que du bleu, à acheter des affaires bleues quand ça m'arrive d'en acheter. Tout ce que j'achète est bleu. Du coup, du point de vue du coloris, tout marche ensemble. Des jupes, des chemisiers, des tailleurs, des jeans, pour lesquels je suis vraiment trop grosse, ou pour lesquels je me sens seulement trop grosse, comme dit la vendeuse. Des robes, des chaussures, des foulards, des ceintures, des choses absurdes. Ces achats me donnent un sentiment de sécurité, la sécurité de pouvoir acheter. De pouvoir acheter des choses dont j'ai un besoin pressant. Une fois, quelqu'un m'a conseillé d'acheter tout dans la même couleur, parce qu'il paraît que ça simplifie les combinaisons. J'ai bel et bien essayé de créer ici un climat de bonnes relations amicales, de collégialité et de professionnalisme. Je l'ai essayé, pas vous. Seulement pour que vous sachiez ceci, le problème n'est pas que vous baissiez avec mon mari, le problème est que vous ayez besoin de ça, que vous n'êtes pas assez bonne. Qui sait comment vous êtes monté si haut? À qui donc avez-vous fait des pics dans l'ascenseur? Au Japon, en Corée, à Taïwan? C'est peut-être là que réside votre don, c'est peut-être justement ça votre véritable vocation. Sauf que malheureusement, nous n'avons pas besoin de quelqu'un comme ça, Adélie, d'une femme qui, d'une manière ou d'une autre, a décidé de se frayer par la tête son chemin jusqu'à la direction, qu'une femme qui a votre formation, qui a votre prétendue qualification, comme vous l'appelez, croit se faire son chemin si c'est pitoyable, mais que vous tentez le coup dans ma boutique avec mon mari, c'est presque insultant. Chérie. Oui. Bien sûr, tout va bien, mais oui. Tu as bien dit ton nouveau nom, ton nouveau projet? Oui, c'est mon nouveau projet. Mais ce projet, Patricia, n'est pas nouveau. Tu as bien dit ton nouveau nom, ton nouveau projet. Comment? Oui, c'est mon nouveau projet. Quoi? Mais ce projet est vieux, Patricia. Comment? Ce projet n'est pas nouveau. Quoi? Ce projet est vieux, Patricia. Vieux.